au niveau des portes d'entrée, la sensibilisation sur les mesures barrières et d'autres mesures de restriction de voyage et de transport. Je remercie le comportement responsable des Comoriens et Comoriens. Toutefois, ceux qui, par des motivations différentes, sont tentés de transgresser une des mesures prises et de mettre en danger la vie de leur famille, de leur communauté et de nous tous, seront désormais sévèrement sanctionnés. Je n'ai pas attendu un cas avéré pour déclarer guerre contre cette pandémie, mais aujourd'hui nous entamons une nouvelle étape. Des hommes et des femmes, médecins, infirmiers et ambulanciers, et membres de forces de sécurité sont en première ligne pour combattre cette pandémie. Nous devons leur faciliter la tâche et les soutenir. Pratiquons les mesures d'hygiène recommandées. Ne cédons pas à la panique. Faisons preuve de vigilance. Respectons toutes les mesures prises pour nous protéger contre le COVID-19. Et ensemble, nous vaincrons cette pandémie. Je vous remercie.
ni mndu ne wana ne mbunyushe riwambeze duwa juja kabuli kamba benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.